Oh, café! Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici S2Pic, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Binding of Isaac. Honnêtement, qu'est-ce qu'on fait? On a encore plein de trucs à faire avec Maggie. Plein de trucs à faire avec Kane. D'ailleurs, on n'a pas le mode de le boss rush avec Kane. On va le faire ça. Écoutez, c'est parti! Kane aujourd'hui! En avant, en avant! Go, go, go! Alors, on va reroll jusqu'à avoir un item room sympa. Pendant ce temps, moi, je bois mon café. Merde, le café, viens ici. Le café! Ah. Bon, comment ça va, les gens, aujourd'hui? J'espère que vous avez la patate. Moi, ça va plutôt bien. On est dans un basement XL. Alors, c'est pas un très bon item. On va le prendre quand même, le bon friend qui ramasse des sous. Juste pour voir la deuxième item room et éventuellement le boss rush directement. Vu qu'on veut faire le boss rush, ça fait gagner du temps d'avoir un étage XL. Donc on y va comme ça. Alors, pop, pas grand chose de folichon. On va pas aller du coup dans la cursed room à côté pour pas se prendre de dégâts de cœur rouge. Allez, il va falloir du drop de... Voilà, attention. Du drop de cœur bleu là par contre. On a une bombe donc il nous faudra un caillou marqué. On a une bombe également qui traîne ici. Et on a également l'item room, hein. Au passage. Allez, il nous faudrait un bon item. Il faut pas se prendre de dégâts. Attention, pas prendre de dégâts ici. On va voir les chances de David Deal. Tiens, vas-y, petit bum, va chercher la petite pièce. Tu veux rien me donner. Tant pis, salaud. Ouais, du coup, ça nous fait un choc de moins aussi, hein, mais c'est pas très grave. Vu que de toute façon, on a le. L'album qui va nous ramasser nos pièces. On va pas avoir beaucoup de sous. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, Magic Finger, mais c'est nul. C'est nul. Pay to play, donc. Pay to win, pay to play, je sais plus. Mais en gros, ça, je processe pas, ça me consomme une pièce. Et on a chance à mettre des dégâts, mes dégâts dans toute la salle. Ça peut être bien quand on a l'IPCAC par exemple. C'est complètement fumé quand on a l'IPCAC. Mais sinon, pas trop. Vas-y, ramasse les sous. Ouais, ramasse les sous, Dark Gun. Tu me donnes rien du tout, putain, t'as vraiment une rapia. Allez, c'est parti du coup pour le boss. Là, 4 Larry. Ok, fuck it. Magic Finger, allez go, voilà. HP up et luck up. Donc j'utilise Magic Finger 3 fois, donc 3 pièces de moins. Et on a Monstro ici, du coup là je vais pas avoir besoin d'utiliser normalement. Ça va, Monstro il est pas trop dur. Et je devrais pouvoir avoir le Devil Deal sans encombre. On va espérer un bon Devil Deal parce que j'ai que 3 coeurs. Enfin, j'ai 3 coeurs quoi. Attention, pas de dégâts. Ouais, j'ai 3 coeurs donc je pourrais prendre, je pense, 2 items au max. Ça va dépendre encore des items qui sont dropés, mais on va espérer des bonnes choses. Plein de bonnes choses. Par contre, est-ce que tu peux mourir? Ta masse de vie, monstre gris, et t'es relou. Ça va, on a une bonne vitesse là. On a une bonne vitesse. Ça peut très très bien se passer si on s'applique, bien évidemment. Faut-il encore que je m'applique et que je fasse pas le Mongolio. C'est bon, ça s'est bien passé. Nickel. De la range. Ah bah voilà, un cœur bleu parfait. Donc du coup, je vais pouvoir prendre tous les items. Bon, il y en a qu'un. Mais comme ça, on va avoir des Devil Deal. C'est très bien la Goated. Allez, la main de maman. Elle est où la main? Elle est là la main. Oh sérieux, j'ai pas réussi à la faire en un cycle. Voilà, vers les feux, c'est très bien. Et une petite clé. Du coup, on a eu tout ce qu'on voulait. Oui, donc on se tire. Du coup, c'est déjà parti pour Cave. On a eu de la chance, en plus, les XL en général peuvent être très très grands. Et là, ça n'a pas été le cas. On a encore 100% de chance de David Deal. Alors pourquoi? Alors soit c'est le tracker qui est buggé. Soit le fait d'avoir un XL compte comme basement 1 et du coup on reste à 100% de chance. Parce que si on a un David Deal dans basement 1, ça ne drop pas nos chances de David Deal à l'étage suivant. Alors là par contre je vais me prendre un dégât, ça m'emmerde. Non c'est bon, j'ai réussi à pas me faire toucher. Je me fais toucher ici, non c'est bon. Pas tirer. Ah putain, je prends quand même le dégât. Un demi-cœur, pas plus de dégâts de cœur rouge encore. Allez! Putain, et je tire au milieu! Voilà, deux de moins. Plus qu'un. Arrête avec ta mouche par contre. La mouche elle est relou. Les seules mamouches de touche c'est autour. Quand il y a sa mouche, c'est pas possible.
Mais what the fuck? Ton père! Putain, j'ai jamais autant mongolisé sur une mouche comme ça. Hein. Allez! Pète! Merci, putain la peine. Item room, on a 3 clés, c'est good. C'est good, c'est good. Item room. Oui, all set up, le Capricorne. Un bon damage up en plus, c'est très très bien. Allez, cool boss rush, ça devrait bien se passer. On a un shop, donc je vais pas laisser Lil Bum prendre des sous. Ça a besoin. C'est left hand celui-là. Même quand il n'y a pas de compagnon. J'ai plus de cœur bleu de protection et ils sont doubles. Ils sont doublés. Ah merde. Voilà, j'utilise mes sous, hein. Merde. Fuck, oui, left hand quand même. Très bien. Bah attendez. Ouais, il doit être buggy le tracker parce que ça m'a pas baissé mes chances de David Deal. Ça doit être. Ah mais non, mais je suis con. J'ai ramassé la goat head donc j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai ramassé la goat head donc forcément que je suis à 100%. Évidemment. Évidemment, j'aurai forcément le David Deal, donc c'est bon. Bon, on va essayer, on va éviter de se faire bouer quand même. Mais c'est bon, les David Deal, on les a. Ah, il y en a une curse de merde. On peut passer ici, et rien d'intéressant. On a un cœur ennemi, on fait attention, on peut pas trop de dégâts, des mouches explosives. Tirez-vous. Je vais faire péter caca noir. Bon, si je fais péter les deux, ça devrait les faire péter. Oui. Il n'en reste plus qu'une. Qui est toute glitchée. Il en reste deux. Allez, viens, la petite dernière. Elle est là. Elle est morte. Il y a encore un petit acide qui est coupé. Viens là. C'est bon. Salle suivante. Oh, un caca. On va pas aller faire cette salle. De toute façon, je peux pas y... Pardon, je peux pas y rentrer pour le moment. Allez, caca, il meurt. Une petite bombombe. Celle-là, je peux la bomber. Hein. Je peux la bomber, on va rien y donner. De toute façon, cœur bleu, ça c'est gentil. Non, laisse-moi les pièces. Qu'est-ce que tu m'as refilé ? Angleman. Oh, nice ! J'utilise ici pour ouvrir ça. Une troll bombe, c'est de la merde. Ok, ok. Alors, du coup, hop là, par ici. Oh. Merde. La paralysie qui fait pas. Qui était pas très agréable ici. Toi tu meurs et toi tu meurs aussi, merci. Une clé, ok. Oh la salle des emmerdes. Alors je pense qu'on va être d'accord que le David Deal, que le shop ça va être forcément mort. Voilà, je préfère utiliser directement le Magic Finger pour pas me faire bourrer. Tears down, fuck you. Fuck you! Oh non, okay. Et j'ai plus de sous. Con. J'ai peut-être dû attendre avant de l'utiliser. J'ai dépensé tout mon argent. Arrête, merci. Petit dernier pour la route. Merci bien. High Priestess. Ouais. Oui, oui, oui. J'ai une bombe, attendez, alors on va. Il y a un clé marqué en plus. On va faire comme ça. Et comme ça, je suis heal. Parfait, on est full life. C'est la première fois, je crois, qu'un caca arc-en-ciel me sert. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, HP up, tears up et shot speed down. Ah. Oh. Donne-moi ta tête. Non, c'est lui, il est mort. Bon, bah, c'est le dump of call, ça ira aussi. Et on se tire. Étage suivant. Cave 2. Cave 2. C'est parti. C'est parti. Cave 2 en avant. On a des larmes un peu plus grosses. Par contre, ça, c'est vraiment une salle de merde. Tu meurs, merci. Non! Putain! Il y a un cave marqué. Je l'ai vu, je le rate pas. Hop. Deux cœurs bleus, c'est gentil. Très gentil même.
Ils ont quoi avec toutes ces mouches explosives là d'un coup? J'ai 5 clés, je vais pouvoir ouvrir cette salle. On va ramasser le sous-sous, Lilbum. Tu me donnes un truc? Rien du tout. Pas cool. Alors, la salle de dé numéro 1. La numéro 1. Que je vous dise, c'est quoi la numéro 1 pendant ce temps? Café! Reroll tous nos items! Bah écoutez, on avait des items tout pourris à part la Goat Head. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'étage, on va faire le David Deal. Et ensuite, on reviendra activer ça. Allez, c'est pour le beau jeu. C'est pour le beau jeu. Ça peut être vraiment de la merde, hein. Mais ça peut être très très bien aussi. Non, mais ton père. Et si jamais le boss me donne... Dans l'item room, s'il y a un très très bon item, ou dans le boss, un très très bon item également, je ne ramasserai pas, parce que, je vérifie, mais... Ouais, ça reroll que nos items. Donc pas ce qu'il y a sur piédestal. Ok, bon, c'est de la merde. C'est de la merde. Ce que je vais faire, c'est que je reviendrai chercher ça. Ah, mais non, attendez, ça peut me permettre de prendre un petit coffre. Je peux aller chercher le coffre rouge. Putain, on a encore une Curse of the Maze. Faudrait vraiment qu'ils la nerfent ou qu'ils en mettent moins, hein, parce que c'est chiant. Jump! Non mais, pas autant. Merci. Cœur bleu, nickel. Nickel. Ouais, je pourrais aller chercher une bombe aussi, mais j'ai la flemme. C'est pas par là, c'est par là. Et de toute façon, pour le moment, je vais le garder parce que Magic Finger, j'ai pas de sous. Et on va reroll Magic Finger. On va reroll le jump plutôt que le Magic Finger. Parce qu'il est plus intéressant, Magic Finger, dans tous les cas. Le jump, c'est très 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 localisé, hein, les moments où c'est intéressant. Donc autant reroll celui-ci. Alors, cœur rouge, ok. Le boss, il est là. Et voilà, là par exemple, jump, on peut faire le café. Pas autant par contre, merci. Nickel. Le boss. Le boss. Non, je saute dedans. Ah, deux fois. Mais non, mais merde, arrête de mourir. C'est bon. Sérieux, les araignées là. Stop, les araignées. Pigeon Boy, on prend. Ça nous donne du pognon. Parce qu'en plus, il va être reroll. C'est un bon item. Ouais, alors par contre, évite de tout ramasser, s'il te plaît. Smaller, c'est bien. Alors, on va juste prendre le. L'autotorette baby. Parce que la lame de rasoir, c'est un activable. Donc non, on peut pas la prendre. Et le jump est l'activable. Du coup, par ici, il y a une salle qu'on n'a pas fait à cause du maze. Ok, on la fait toujours pas maintenant. On va la faire maintenant. Voilà. Et ça va aller vite. Good. Allez hop. Ça aurait pu être bien d'avoir un item de Guppy parce qu'il faut savoir que les items sont reroll par rapport à leur pool. Donc les items de Devil Deal sont remplacés par les items de Devil Deal et inversement. Alors, wow, j'ai vu un truc intéressant. Alors attendez, je prends le tracker. Donc nous avons, le dernier truc que j'ai pris, c'était le Demon Baby. Donc nous avons eu l'Il Loki, donc c'est un familier, le Speed Shot, ok. La relique, c'est plus de drop de cœur bleu. Non, c'est des drops de cœur bleu toutes les 4 salles, je crois. Oui, bah c'est ça, c'est ce qui est écrit. Le Mongo Baby, ok. Le Number One, super. La Kidney Stone, donc on a eu les chances de tirer des... Kidney Stone, c'est un calcul rénal. Donc tirer un calcul rénal qui fait masse de damage. Le Docteur Fetus, qui tire des bombes. Le Farting Baby, qui pète. Le Magic Mushroom, Fate Reward, shoot using your damage states. Ok, il tire comme nous. Et le Infestation qui spawn des Blue Face quand on se fait toucher. Donc on va voir nous l'arme à quoi elle ressemble. Mais ce sont des bombes. Alors par contre, on a zéro range. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Speed Shot. Oh putain, on va se faire démonter la gueule. Et la range est dégueulasse. On va se faire péter. À tous les coups, on va se faire. On va se suicider. Si on meurt, c'est à cause du suicide. À tous les coups, je suis sûr. What? Voilà, par exemple, ça c'est une salle de merde où je suis obligé de me prendre des dégâts. J'ai 15 pièces donc on peut aller au shop. Super. Et mes damage ils sont à 7 parce que maintenant les dégâts de bombe sont casés sur le 50%. Ok.
Et Matalasis, je ramasse. On va pas laisser ça traîner. Des boutons. Ouais, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Du coup, on va faire péter cette machine. Il me faut absolument de la range. Hein. Absolument de la range. Je peux prendre la pièce qui est là. Putain. Okay, la pièce, elle est là. Et voilà, la pilule qui est là, pardon. Speedshot, c'est pourri. Parlez-y. Non, merci. Non, merci. Allez, le boss. On se taille. Ah, mais du coup, j'ai plus la goat head. Et j'ai plus d'item activable, en fait. Et mes damage sont à 7. Je vais quand même aller chercher. Je suis à 13 minutes, par contre. Faudrait que je me speed. Je vais quand même aller chercher le Magic Finger. Pour la route. Voilà. Et on se taille. Et on se taille café pendant que je fais la route. Voilà. Et du coup, ouais, maintenant je suis à 33% de chance d'être débile deal. Fuck it. Alors, Curse of the Blind, génial. Ah, petit cœur bleu, merci. Ah, ça va être galère le boss rush comme ça. Boss rush comme ça risque d'être galère. Surtout avec la range, pareil en fait. Faudrait vraiment que je trouve la chaussure de maman ou des items du genre pour la range. Allez, l'item room. Secret, oui, secret. Merci, on ramasse la clé. On a la secret des pièces qu'on prend nous. Ce sera pas pour toi, petit bébé. Ah non, mais je l'ai plus le bébé de toute façon qui nous ramasse nos sous. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a? Burning Sack, Spider Love. Bursting Sack. Quoi? Merde, je vais la refaire. Fuck. Et ouais, faut que je me speed. Reste, toi. Ok. Du coup, on peut aller faire un tour au shop vu qu'on a pas mal de pognon. Bah, il est là en plus, parfait. Oh, mais t'es sérieux? T'es mort. Allez, plein de sous-sous pour moi. Très bien. Plein de thunas. J'ai juste pété la machine, voir si ça vaut la peine que j'utilise une clé ou pas. Ça vaut pas la peine. 4 pièces, on en a déjà 47. Mais par contre, la Magic Finger, je vais pouvoir l'utiliser. On a plein de thunes. Juste nos damage sont pas folichons, folichons. Oh, ça par contre, ça peut être très rigolo. Alors, non, je vais garder la left hand. Mais ça aurait pu être très très drôle. Si j'étais pas pressé de faire le boss rush, je l'aurais pris. Parce que, donc la Broken Remote. Ouais, item de débile. La Broken Remote, ça nous TP dans une salle aléatoire à chaque fois qu'on utilise notre item de barre d'espace. Comme on a un item de barre d'espace sans charge, eh bien ce serait à chaque fois que je... Quand je veux en fait, téléportation aléatoire quand je veux. Qu'est-ce qu'on a de beau? Incubus Dark Friend. C'est quel Incubus? Ah oui, ok. Donc voilà. Mais du coup, je l'ai pas pris parce qu'on est un peu pressé. Ah oui, mais merde, il tire des bombes aussi, le con! Ouais, là si on n'a pas si on trouve pas Pyromaniac, c'est perdu. Joker, nice. Pareil, c'est nul. Il tire des bombes, ce petit con aussi. Oh, ça va être tellement la merde. Ouais, je suis obligé. J'étais obligé. Ça, on s'en fout. Et ça, mass enemy slowdown plus damage, non merci, on va garder Magic Finger. Mais en plus, comme j'ai pas de range, il a pas de range non plus. Téléportation à l'ermite, le shop. Qu'est-ce qu'on a? 12 diamond. Ouais. Le cœur bleu, oui. On va bomber lui. Merci, 100 mètres de dégâts, évidemment. Et à la machine. Et les deux clés, je peux les prendre parce qu'on a masse de thunes. Ok, nice. Mon dieu! La folie de la bombe!
Ah, c'est vrai que je peux bomber les salles. Au pire, vraiment, si j'ai des salles qui m'emmerdent, je peux les bomber. Mais si je peux éviter, ça m'arrange. Oh, les drops et compagnie. 3 minutes, ça devrait le faire. On a tout fait sur cet étage. Il faut juste qu'on trouve encore Mom. Et on va être good. J'ai récupéré ma carte Joker, c'est good. Ah, les dégâts! Petit cœur noir. S'il faut que je le garde pour Mom. Faut que je me prenne des dégâts ici. Encore un cœur noir. Ok, on a quoi ici? The Moon. Putain, le feu! Oh merde. Des dégâts de merde. Non, je vais garder. Je suis à combien? Ouais, quoi que si, j'ai le temps. The Moon. Voilà, un peu de thune qui va plus nous servir. Je vais devoir faire malheureusement la salle quand même. On va utiliser ça pour les chances de débile. Putain! Les chances de débile kill. Ouais, non mais je vous le dis. Hein. Alors là, je vais énormément jurer sur cette run. Oui. Et ça va chier des bulles et je vais me suicider à tous les coups. À tous les coups, je vais me suicider. Ça piquait quand même, hein. Mais je suis presque persuadé que c'est comme ça que je vais mourir. Alors, c'est parti, Joker et Mom. Et c'est une Mom bleue. Et ça y est, je me suis déjà pris des dégâts, ça commence bien. Et j'ai beaucoup trop de cœur, donc en plus, à chaque fois que je vais, j'aurai pas l'effet de Polaroid. Bon, alors, le dégât, il est là. Le dégât est présent, mais les dégâts sur moi aussi sont présents. Regardez-moi ça, il y a trop de bombes dans tous les sens, ça y est. Ça y est, ça y est. Je me fais défoncer la gueule. C'est bon, elle est morte. Allez hop, le Pola, ça, on utilise le Joker, on prend ça parce que je l'ai jamais eu. Comme Biotch Conception Feed Them Hate, je vais voir ce qu'il fait. Can spawn familiar when you get hit. Ok, ça peut faire spawner les familiers quand on se fait toucher, d'accord. Bon, c'est parti, allez, boss rush. Les Rainbow Tears, le... Ah oui, on va prendre le D4. Je suis pas stompi. On va prendre le D4, ça va mettre un dégât, mais je vais quand même prendre le D4 et l'activer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyons voir qu'est-ce qu'on a. Donc nous avons les bombes explosives, Mom's Contact, 3 cœurs bleus, Attractor, Tears Attract Enemy, le Dark Bomb, ça c'est très très bien, Mask of Flame Famous c'est bien, ça mouait, range et hauteur de l'arme. Par contre, plus de dégâts, what the fuck? Ah oui, l'Orbital, le big fan, Soy Milk, très bien, Robot Baby, le Seraphin en familier, le Rainbow Baby, le Lusty Blood, damage sur les current floor quand on fait des kills, donc ça va être très bien pour le boss rush. Et la Fly Orbital. Mais par contre, notre problème, c'est que on a le Soy Milk. Et donc, c'est de la grosse merde. Parce que regardez, je suis à 0,8 de dégâts. Donc, jamais je vais pouvoir terminer ce boss rush. Parce que même ici, Magic Finger ne sert à rien. Magic Finger sert à rien. Je fais 0,8 de damage. Ça sert à que dalle. Regardez. Regardez ça. Et en plus maintenant avec les larmes explosives. Ah mais par contre attendez, je vais reprendre le D4. Si je termine des vagues, si j'ai la chance de terminer des vagues. Là c'est là, hein, c'est le robot baby qui fait le dégât du coup. Si j'ai la chance de terminer des vagues, je vais peut-être pouvoir me re-reroll. Et je me suis déjà fait pas mal bourrer. Ah, j'ai réussi à buter un. J'ai buté un monstre. Hourra. Et 2-1, ok. Ouais, ça me recharge 2. Il faut que je fasse 3 vagues. Mais ça va en fait. Ça va. La cadence de tir, donc c'est ça, Soy Milk. Hein. Je crois que je vous l'avais jamais montré, mais en gros, Soy Milk, c'est ça. Cadence de tir maximisée, mais dégâts nullifiés. Donc on est passé de. On avait 8, je crois, de dégâts à 0,8. Donc déjà, 8, c'est pas. C'est bien 8, mais c'est pas des masses. Mais passer à 0,8, ça fait très très mal. Aïe, ouais, en plus il bug tellement avec les larmes attractives. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon alors du coup ça devient complètement le bordel sur le tracker, attendez. On en était où? On en était ici. Alors nous avons Sagittaire, donc ça c'est bien. Techlix c'est pas mal, PhD mouais. Le Heavy Light c'est pas trop mal, ça c'est nul, ça c'est damage increase when you get hit, when on touche les ennemis. Le Experimental Treatment, le Host Hat, pardon, le CC Long Leg, les Toxic Shock, Virgo, on a un bouclier quand on se fait toucher, des chances, 99 bombes, le Spider Beat et encore une fois les Piercing Shots. Donc là... Ah oui c'est vrai, on a ça.
on a ça. Et on a 10 de dégâts. Là c'est mieux déjà. Vous voyez, on est passé de 0,8 à 8 à 10. Donc là c'est déjà vachement mieux. Et l'expérimental traitement nous a pas fait trop de mal. Mais honnêtement, on va faire une belle run des 4. On va se faire toute la run des 4. Et à chaque fois que je pourrai reroll, je rerollerai. Et ça va être rigolo. Donc là, on s'est déjà transformé en Lord of the Fly. Donc c'est-à-dire que les mouches sont gentilles avec nous. Vous voyez, j'ai des grands yeux et je ressemble à une mouche. C'est parce que j'ai eu plein d'items de mouches. C'est déjà un truc qui était présent dans Afterbirth. C'est une des deux transformations qui était présente dans Afterbirth. Dans Rebirth, pardon. Donc ça, c'est cool. Et là, on va le réutiliser. Allez, hop. Alors, voyons voir. Putain, c'est vraiment le bordel. Oh, par contre, ma cadence ma vitesse, c'est de la merde. On a IPCAC. Alors, IPCAC. Énergie. Death Touch pour le damage. Ah oui, on est à 60, 80 de damage. La mulligan. Les shields de tir, ça sert à rien. Cricket's Head pour le damage. Le Lil Chest. Le Friend Zone. Le Wiz. Monstrous Lungs, ok. Orbital. Le Harlequin Baby. Le Scapular. L'Anc. Les Bomber Boy. Et le Wafer. Mais alors là, je vais vous montrer quelque chose. Alors par contre, la vitesse. Regardez, regardez. Quand je vous parlais du Magic Finger. Terminé. Et du coup, vous savez quoi? On va arrêter de jouer Magic. On va arrêter de jouer avec le D4. On va jouer Magic Finger. C'est que je vous parlais. IPK avec Magic Finger. Eh bien, on l'a. On l'a. Ah ouais, non. Non, en fait, non. pas du tout, les gens. Pas du tout, parce que je peux pas tirer avec le Monstrous Lung. C'est de la merde. Que, en fait, ça se recharge mes IPCAC. Et ça se recharge à une cadence de merde. Regardez ça! Regardez ça! Merde. Ok, il est chargé. Hop là. Et je touche pas. Et oui, mais c'est vrai qu'en plus j'ai deux mises, donc hop là. Je vais mettre là. Pourquoi j'ai pas touché là? Ouais, mes damage ils sont pas ouf, hein. Enfin, si, ils sont bien. 80, c'est bien. Mais il y a vachement mieux. Par contre, la taille de mes larmes. Il est pas mort. Putain, il est où? Il est là-bas. Mais ça touche pas! Pourquoi ça touche pas? J'ai plus qu'un cœur! J'ai plus qu'un cœur! J'ai plus qu'un cœur! Ça met des dégâts à chaque fois, quasiment, à chaque tir. Voilà, voilà, voilà. Un demi-cœur, un demi-cœur, un demi-cœur, un demi-cœur, un demi-cœur. Il est où? Je vais mourir. Bon, j'ai l'Anc, mais ça me comptera pas le boss rush si jamais je le. Voilà, c'est la mort. J'ai l'Anc, je respawn en Blue Baby. Et du coup, fuck, j'ai. Oui, j'ai le D4. J'ai le D4. Du coup, fuck le boss rush. Ah si, il a été compté, tiens. Mais non, il a pas été compté, je suis con, j'ai été réinvoqué. Je suis Blue Baby. Fuck. Bon, ça va être difficile, les gens. Ça va être très très difficile. J'ai que 3 cœurs. Bon, j'ai le Wafer, donc je me prends qu'un demi-cœur de dégâts à chaque fois que je me fais toucher, mais. Il faut que je recharge mon Dice. Wheel of Fortune. Est-ce que tu peux donner une batterie? Tu peux donner une batterie, toi? Allez, café pendant ce temps. Ouais, non, mais fuck it. Fuck it. Mais au pire, attendez, j'ai 99 bombes. Au pire, je peux jouer avec les bombes? Ouais, je peux jouer avec les bombes, au pire. Ah ouais, mais oui. Gros con. Le problème, en fait, c'est que j'ai pas de range. Avec le cut. Le problème c'est que j'ai pas de range donc c'est la merde. Putain. Voilà. Voilà, 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 voilà. Plus qu'un cœur. La run de merde. C'est pas de bol quand même. Hein. C'est pas de bol. Allez, encore 3 salles. Et un cœur et demi. Ok, 3 salles et un cœur. Je vais jouer avec les bombes. 2 salles et un cœur. 2 salles et un demi-cœur. 1 salle et un demi-cœur. C'est bon. Mon dice est chargé. Par contre, j'ai mon tir qui est chargé aussi. Oh, on pourrait se transformer en guppy. On n'est pas encore guppy. Allez, j'utilise mon dice. Alors, qu'est-ce qu'on a? Putain, c'est le bordel sur le tracker. Je vais vous le masquer. Parce que c'est vraiment trop le bordel. Je vais vous le masquer et je vais vous dire ce que j'ai.
Alors, ou attendez, non, je vous refais la capture, deux petites secondes. Je vous refais la capture, la voilà. Allez, un petit traitement fond vert dessus, vite fait, comme ça. Ça va le faire. Tac. Un peu plus propre quand même. Voilà. Alors, actuellement, nous avons. Tandis que je vous dise ça, je vais vous la mettre en bas également. Hop, là. Alors, actuellement, nous avons. Popula Duplex, donc c'est les Wild Shots. Nous avons le Charm of the Vampire, on va se régénérer, mais ça marche pas vu qu'on est Blue Baby. On a le Punching Bag, on a les Anti-Gravity, super. On a le BG Bug, on a le Dry Baby, les Sad Bombs, le Dead Onion, la Leaf, le bébé, on a le Chocolate Milk pour la charge. Putain, on a deux trucs de charge. C'est relou. Le K-Bum qui bouffe nos clés. Le run bag, c'est le nouveau sac que j'ai débloqué pour la run hier. Oh putain, par contre, on a le numéro 2, faut que je fasse gaffe. Et les homing bombs. C'est de la belle grosse merde et je peux rien prendre ici sous peine de mourir. Donc mes larmes en gros. Ok, ça ne marche pas l'anti-gravity, les anti-gravity ne fonctionnent pas. Par contre, j'ai un cœur et demi. Ouais, faut que je fasse attention avec le numéro 2. Il va falloir que je me TP, que je me déplace en permanence. Ah, mais c'est vrai que je vole. C'est vrai que je vole. Ah, j'ai les sales bambous, ça c'est cool. Oh nice, allez, on reroll. Encore, hein, pour le fun. Attention, il y a une bombe. Ouf. Alors, nous avons donc. Qu'avons-nous donc? Nous avons le Spider Baby. Nous avons le Bob's Brain. Technologie. Plus un cœur, c'est cool. Lil Haunt. Tous là, on tire des bombes, des dents. Les Sticky Bombs. Le Speedball. L'Explosivo. Mom's Hay, le Rubber, le Ghost Baby, les Elves Mascara, Forever Alone, la petite mouche, et My Reflection, donc les larmes au milieu. Ah oui! Ah! Ah oui, d'accord! Ah oui, d'accord! LOL! 48 heures d'énergie. Bon, allez, pour le beau jeu, on reroll encore! Alors, voyons voir. Nous avons. Le Leech, c'est de la merde. God's Face, donc c'est les larmes qui peuvent rapetisser les ennemis. Les Holy Lights, le Taurus, les Continuum, les tirs empoisonnés, le Trail of Tears, le lait, le Iron Bar, les bombes, l'aimant, pas le Cursed Egg, de toute façon on a une batterie. Le Mysterious Liquid, le Halo, du coup on a eu plein de cœurs en plus, et Ariz. Donc l'arme elle ressemble à quoi? Ok, c'est sympa. C'est sympa. Bah allez, on reroll encore pour le beau jeu. Alors, on en était là. Donc on a le Dead Bird, on a Daddy Long Leg, Daddy's Love, Obsidian Fan, les bombes de feu, le Sigmata Damage Up, Anamic, c'est Toxic Blood, on a Libra qui nous a fait qu'on a 5 de dégâts, on a le Rotten Baby, on a le Mom's Wig, on a le Proptosis, le Ball of Tar, le Inner Ray. Le Pieces, le BFF et les Moms Hey machin, le mascara de maman. Ok, on a une cadence de tir sympathique. On n'a pas beaucoup de dégâts. Mais avec le Proptosis, ça marche plutôt bien. Et c'est vrai qu'on a le. On a Daddy Long Leg. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Oh, item de Guppy. Premier item de Guppy. Très bien. Très bien. Donc, ça, c'est un item de Devil Deal. Donc, ça va pouvoir se reroll en item de Devil Deal. Parce qu'on n'en avait pas encore, il me semble. Alors, on va éviter de se prendre des dégâts quand même. Parce qu'on est à Utero et on n'a plus. On n'a pas beaucoup de cœur. Et on n'a plus le. Le wafer du coup. Ok. On va encore reroll hein, écoutez, on va continuer tant qu'on. Tant qu'on gagne on joue. Meurs. Allez, encore deux salles. Et on va pouvoir reroll. C'est juste dommage pour le boss rush. C'est juste très dommage pour le boss rush. Et on va pas faire. De toute façon, je l'ai déjà fait. Oui, j'ai déjà fait avec Blue Baby. Hush, donc on va pas faire Hush. Allez, encore une salle. Ah, ton père. Tu meurs? Ah, tu meurs. Allez, c'est parti, on reroll. Et je pense que je vais vous refaire une fois la capture. Hop, là, on va faire comme ça. Vous y voyez plus rien, c'est normal. Je refais la capture. Hop, attendez.
Voilà, capture refaite. Alors ça prend beaucoup de place à l'écran, hein. Vous m'en excuserez, c'est normal. Je vais la mettre un tout petit peu plus petit. Attention, c'est pas une run CD, hein. C'est une run complètement vanilla. Du coup, qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons le Black Bean, c'est de la merde. Le Sack of Penis, c'est de la merde. On a Sad Onion, c'est sympa. Le Scorpio, c'est sympa. Le Samsung Chain. Bombs in Your Bombs. Piggy Bank pour des sous. Le Virus. Le Headless Baby. La Table Ouija. Le 20 sur 20. La Curse of the Tower. Et le Puppy Fly. Voyons voir nos larmes. Ok, c'est sympa. C'est sympa, il y en a 6 de damage. C'est pas ouf. C'est pas ouf. On va continuer de faire des salles. Hein. Est-ce qu'on a des cailloux marqués ici? C'est vrai que j'ai 99 bombes. Ouais, ça, on a le bon ennemi aux bombes cette fois-ci pour un modificateur de bombes. On va continuer de faire des salles, on va nettoyer tout l'étage. Hein. Ok, pas ici. J'adore jouer des 4. C'est vraiment toujours des runs fun. Des runs rigolotes. C'est rigolo. Est-ce qu'on a une secrète ici? Non. Elle est sale. Sale. Et on n'est pas encore Guppy. Et l'item de Guppy s'est pas transformé en item de Devil Dig, j'ai l'impression. Ça a peut-être changé ça. Il me semblait que c'était. C'était par rapport à, ça rerollait dans un item de la même pool. C'est peut-être plus le cas. À moins que j'ai raté un item et que j'ai pas vu qu'il y a, j'ai un item de. Non, je suis en train de regarder, j'ai pas d'item de Devil Dig, donc je sais pas. C'est étrange. On n'est pas encore Guppy, hein. On a eu 2 transformations, ou peut-être même 3. Mais on n'est pas encore Guppy. Alors, est-ce que je peux... Oui, je peux aller faire cette salle-là aussi, hein. Allez, on peut le faire. Et j'ai 100% de chance de Devil Deal actuellement. Et je me ferai pas toucher, donc ça va rester à 100% de chance. Ouais, attention. Aïe, je pourrais pas faire Mega Satan. C'est le dernier qui me reste avec Blue Baby que je n'ai pas fait. Je pourrais pas le faire malheureusement parce que j'ai pas d'item de la poule de l'Angel Room. Mais on pourrait avoir. Si on arrive à choper. Ah non, on peut pas choper la clé. Parce que ça reroll pas les activables. Non. On pourra pas choper la clé qui nous permettrait d'aller à Mega Satan. Tant pis. Tiens, vas-y, bouffe ma bombe. Oh, ça m'a fait mort. On prend la clé. On prend la pépièce. Et go. Ouais, on peut aller se faire ça. De toute façon, à chaque fois qu'on régène, on a quasiment à chaque fois des cœurs en plus. Et que, avec un peu de chance, on va avoir des cœurs. Attention! Des cœurs bleus en plus, nickel, un cœur bleu. Allez, c'est pas un Devil Deal. C'est pas un Devil Deal. Mais ça reste de la merde. Hop là! Allez, le boss du coup. On aura fait tout l'étage. On n'a pas trouvé la secrète. On va aller chercher quand même la secrète. Tant qu'on y est. Voilà. Elle peut être en dessous. Elle peut être ici. Elle est pas là. Donc elle peut être ici. Non? Comment? Ah mais non, ok, elle peut être encore juste à côté de la salle du boss. On va aller voir ça. Mais je crois que c'est le dernier emplacement que j'ai pas testé possible. Ah mais imbécile! Ah c'est vrai que j'ai une Curse of the Tower et je me fais bourrer par mes bombes. Non c'est bon. C'est dangereux là. C'est très très dangereux. Casse le caca, merci. J'ai que 3 coeurs et demi, hein, et là... Ouais, non, bah je sais pas où est la secrète. Je vais chercher la super secrète vite fait ici. Ouais, ça peut être dangereux parce que j'ai pas masse de dégâts. J'ai que 3 coeurs et demi. Ah bah voilà, 4 coeurs et demi, avec un coeur noir notamment. On est à Womb 1. Donc du coup, c'est pas encore mom. Donc, ouah, ça va. Boss facile. Mega easy. Mais bon. On prend ça. On va faire ça. Et... Ah mais oui, c'est vrai que j'étais venu ici. Du coup, on va prendre l'item de Guppy. Voilà. On n'a qu'un cœur et demi. Mais on a eu 2 items de Guppy. On va pouvoir se transformer en Guppy rapidement. J'espère. Si on a du bol et qu'on reroll. Et qu'on ne meurt pas aussi. Hein. Ah, ça va. Quoique, si c'est les mains reloues, c'est la main relou. Mais la salle est faite. C'est bon. Allez, le reroll. On s'est transformé en Séraphin. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a eu de beau. Nous avons eu le cancer,
Le Little Gish, le Best Friend, le meilleur ami de Blue Baby, le Lil Brim, Minimush, la Mitre, Lost Fly, Lucky's Horn, Celtic Cross, Chemical Peel, Allo Fly. Ah ouais, vous le voyez plus, mais je vous le dis. Hein. Mystery Sack, Odd Mushroom, Gimpy, Cricket's Body et Technology 2. Ah, c'est chiant, Tech 2. Et je vais quand même vous refaire la capture. Attendez. Je vous refais une fois la capture et je vais peut-être agrandir un petit peu la fenêtre déjà maintenant. Voilà. Hop, capture de la fenêtre. Tac, je fais le traitement du fond. Merde, qu'est-ce que je fais, mon dieu. Mon dieu, qu'est-ce que je fais. Tac. Et là, ça devient vraiment le bordel à l'écran. Hein. Je suis désolé, mais on s'en fout un peu. Je vais diminuer un tout petit peu la taille. Et on est bon. Et on est bon, c'est le bordel. Alors, nous, l'arme, oui, on a tech 2. Donc, c'est. Oh putain, on a pas de damage. Oh, ça va être difficile. Allez, est-ce qu'on peut avoir. C'est pas ça que je voulais. Les mains de partie et. Ball of Steel. Bon, c'est pas. Ah oui, on a masse de cœur, j'avais pas vu. On a masse de cœur. Pardon. Bon, il faut que je recharge très très vite mon dice, moi. Parce que, regardez-moi ces dégâts pourris. Ces dégâts pourris. Donne-moi un item de Guppy. C'est vrai que j'ai toujours la left hand, donc ça va pouvoir le faire. Tiens, toi je te bombe et toi on va te donner des trucs. Ça me fera un item de plus à reroll. J'ai plein de tutunes. Ouais, une clé, j'en ai déjà assez. Donne-moi un item. Assez vite, s'il te plaît. Strength. Ah oui, strength, on va la garder pour le moment. Ah, bah c'est de la belle merde. C'est super. Largeur, non merci. Non, pas les yeux. Non, pas les yeux. C'est bon. Non, c'est pas bon encore. C'est bon. La clé. Bad trip, non merci. Et balls of steel. On va la laisser là au cas où je me fais bourrer. On viendra la rechercher. Item de guppy. Non. Regarde-moi le temps qu'il me faut pour buter une araignée. Vraiment. Is this real life? J'ai plus de modifier de bombe en plus, je pense. Hein. Je sais pas pourquoi je vais loin, j'ai pas le lump of coal, donc ça sert à rien. Il va falloir des heures. Je peux pas affronter Mom avec ça. Hein. Pas Mom, mais Cleaves avec ça. Ah mais j'ai mon Dark Bum, attendez, Dark Bum il fait le travail. Voilà, c'est Dark Bum qui va faire le café. Allez, encore une salle et après on est bon. C'est Dark Bum qui fera le café, est-ce qu'il peut y avoir une... Non. Pas ici non plus. Mais oui, il faut travailler à Dark Bum. Voilà. Allez, Dark Bum. C'est bien. Allez, le reroll. Alors, qu'avons-nous de beau? Nous avons le quarter, des sous en plus. Money Eagle Power, donc ça combo de pas mal, on est à 11 de dégâts. Spelunker Hat, Mr. Mega, Midas Touch, Little Steven, Infestation 2, Last Team Cell, Fire Mind, Ecoli, le Bucket of Lard, donc on est full HP, le Eden's Blessing, donc ça c'est quoi? C'est plus de tir. Random item at start of the next run. Ok, donc ce sera pour demain. Léo et Blood of the Martyr. Donc là, je pense qu'on a des armes un peu plus intéressantes. Voilà, et là on a du dégât. Là on a du dégât, mais on va continuer. On va continuer, on va faire tout l'étage, on va reroll tout ça, écoutez. On va continuer à faire masse de reroll. On n'a pas encore eu Docteur Mega. Docteur Boom, je joue 3 Hearthstone. Epic Fetus. On l'a pas encore eu, alors que je l'ai débloqué. Je l'ai eu qu'une seule fois depuis que je l'ai débloqué. Et c'était pas en vidéo. Donc je vais pouvoir vous le montrer enfin. Bible. Ah bah écoutez, attendez. Est-ce que j'irai pas one shot vite fois? Quoique. Non, je vais la laisser là. On va continuer de reroll et si jamais j'ai un reroll pourri, je viendrai rechercher la Bible. Pour one shot Eclipse. Ah bah tiens, une batterie.
le temps où on en est. Encore une batterie. Merde, je fais mourir. Allez, deux salles encore. Non, merci. Encore une salle et après ce sera... Bah, merci pour le TP, ça c'était cool. Pas les yeux, pas les yeux, pas les yeux, c'est bon. Allez, le reroll. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, nous avons le Bumbo. J'adore Bumbo. Glitter Bomb, ça c'est cool. Little Chub, Juicy Sack, Fruit Cake, Epiphora, Spoon Bender, donc les Homing Shot, la Holy Mantle, Maggie's Bow, 8 Inch Nail, le Marqueur et le Ludovico. Elle est où ma larme? Ah d'accord, on tire des gros cailloux, des gros clous, lol. Bon, ça on s'en fout un peu. Bon, là, je vais le ramasser juste pour le débloquer. Pour pouvoir dire, je l'ai débloqué. Ils sont où mes clous? Ils sont là. Et on a 8 de damage. C'est pas folichon, mais c'est toujours ça. Ah, mais ça marche bien en fait. Ça marche bien. Là, il a TP ma larme, c'est bizarre. Ma larme, elle se TP des fois. C'est étrange. Ça y est, c'est terminé. Ça s'est plutôt bien passé. On va aller chercher du coup les batteries. On va encore reroll. On va encore reroll. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, on a eu le Mums Knife cette fois. Le Mums... C'est tout? Putain, il y a des trucs qui restent, qui ne se reroll plus parce qu'on a trop d'items. Mums Knife, Mums Perfume, le Odd Mushroom, le Tiny Planet et le Multidimensional Baby. Et là, du coup, mon... Ouais, voyez que là, par exemple, j'ai mon... Polyphemus est resté. Allez, on reroll encore. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Le Quad Shot! Ah putain, mais par contre, j'ai encore le... j'ai encore le Tiny Planet. C'est très 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 étrange. Mais là, c'est les couteaux, c'est rigolo! Jouer avec des couteaux, c'est rigolo! Blablabla. Des couteaux partout! Des couteaux partout! Allez, des couteaux... des coups de couteau aléatoires. Meilleur temps de jouer à l'envers plutôt. De tirer de côté opposé. Et va falloir que je reroll encore ça. Hein. Parce que le Tiny Planet plus le Mums Knife, c'est pas... C'est pas vraiment la sauce. Allez, je vais pas avoir assez de ça. Va falloir que j'aille chercher la Bible. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Strength ou The Emperor? Bah écoutez, on va faire ça comme ça. La Bible, elle est là. Non, elle est au-dessus. Bah, je peux utiliser également. Bon, après. Je prends la Bible, j'utilise The Emperor. What? Ça m'a pas tapé. What? C'est à cause du curse of the Maze, je pense. Hop là, je one-shot ça. C'est fait. Devil Deal. Ah merde, j'avais plus de 36% de chance de Devil Deal. Tant pis. Je vais aller rechercher du coup mon D4 qu'on va encore recharger. C'est le Dawa. Mais ouais, c'est chiant là. Et du coup, j'ai pas vu, j'ai quoi? J'ai Conjoint Friend, le Tractor Beam qui fonctionne pas avec les couteaux et Mutant Spider pour le Quad Shot. Je vous avais pas détaillé. Maintenant, c'est chose faite. Bonjour. Bonjour. On se tire. Ah, des cartes. Qu'est-ce qu'on a? The Fool et The Empress. Et ici. Rien du tout. Alors, on va aller faire la dernière salle. Hein. La Curse Room, on peut la faire puisque nous avons le. Nous avons le. Holy Mantle, on l'a encore. Et du coup, pas besoin de prendre la pilule. Si, je pourrais prendre la pilule quand même. Elle est où? Elle est où? Elle est pas là. Elle est là-haut. Elle est là. Hop, Balls of Steel. Au cas où, on est dans les embrouilles. Mais il va falloir absolument que je recharge ça. J'ai pris celui-ci, donc on va aller là. Le Pola, donc on va à la cathédrale. Et c'est parti, il me faut 4 salles pour le rechargement. On va laisser comme ça. Je crois que je vais jouer au corps à corps en fait. Voilà. Merde, bon c'est pas grave, c'est le Limontel qui a pris. Oui, Guppy. Guppy! On est Guppy, on est Guppy, on est Guppy. Alors ça marche pas avec le Mums Knife, on va espérer pouvoir s'en débarrasser. Monstre mort et... Monstre mort. Allez, encore deux salles
pour le reroll. Shield et 4 là, plus reroll tous mes items. J'espère que je peux me débarrasser du Tiny Planet quand même. C'est le seul item qui m'emmerde dans le lot. Après, si on peut reroll plus de choses, ça m'arrange, mais. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ah, rien du tout. Alors, nous avons. Oui, on l'a eu! Le Epic Fetus et les Bob. Les Curses, les bombes, machin. LOL! LOL! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Alors là, je comprends pas. Attendez. Donc, il y a Epic Fetus. Il y a le Mom's Knife, ça, on est d'accord. On a encore Tiny Planet. Et on doit avoir le Quad Shot qui est encore actif. On a encore le Quad Shot. Donc, on le voit là à gauche. Donc, ça doit être ça. Je vais vous virer la capture. Et là, c'est plutôt sympathique. J'aime. Parce que en plus, regardez, nos couteaux sont violets, donc ils sont homing. Donc ils vont défoncer. Par contre, on a pas masse de dégâts. Mais on a beaucoup de couteaux qui tournent. Donc, donc ça va. Ah oui, en plus, comme c'est homing, ça c'est nouveau. Comme c'est homing, le tir de Epic Fetus suit les ennemis. Donc c'est sympa. C'est plutôt sympa. Mais what the fuck? Ça c'est des nouvelles synergies. On doit avoir 3-4 nouvelles synergies d'un coup là. Allez, prends ma synergie dans ta gueule, là. Et ouais, bah alors par contre, j'ai toujours pas merde. Pyromaniaque, du coup, je me prends les dégâts de mes explosions, faut que je fasse attention. On va continuer de reroll. Bah alors, attendez, on va se faire... Normalement, Isaac, il va se faire ouvrir par les couteaux. Voilà, il est mort. Mais on va continuer de, les rerolls rigolos. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh ben, rien du tout. On a dû faire le tour des poules. Rien du tout. Ça a absolument rien changé. On est d'accord. Ouais, ça a rien changé. Est-ce que ça m'a enlevé des items? Non, ça m'a pas enlevé d'items. Vous voyez, comme il suit maintenant le tir de Dr. de Epic Fetus, c'est assez cool. Du coup, je vais recharger mon dice. Et je vais pas prendre paralysis, je vais garder Balls of Steel. Je vais recharger mon dice. Et et je vais l'utiliser une fois que j'aurai pris les nouveaux items au chest. Voir si ça peut le reroll encore. Ah bah voilà. Il est rechargé. Du coup, on se tire. Et on va le faire le chest. On va faire... Je vais me débarrasser de la left hand. Parce que maintenant, on a tout ce qu'il faut. On va voir ce que ça donne. Allez, café pour le chest. C'est juste dommage qu'on ouvre pas Mega Satan, mais... Core of the Unknown, c'est pas grave, on a plein de cœurs. Ok, de la merde, de la merde, de la merde et de la merde. Alors évidemment, vu qu'on a fait toutes les poules des items qui ne sont pas désactivables, je pense qu'il va me donner énormément d'activables. Ça arrive avec quoi, toi? Les basics, ok. Donc c'est les pick-up. Donc je vais tous les ramasser pour, pour les sortir des poules. Voilà, encore. Hein. Je pense qu'on aura que ça. Je vais peut-être utiliser mon dice quand même. C'est fait. Je vais quand même utiliser mon dice. Plein de pognon. Est-ce que ça me donne encore quelque chose de nouveau? Oui, pyromaniaque. Ça m'a donné pyromaniaque. Alors vous avez plus le tracker. J'ai eu pyromaniaque. Et l'autre c'est Zodiac. Donc c'est random Zodiac item après chaque étage. Donc ça change rien. Je sais pas ce que c'est que les items du Zodiac. Ah mais oui, mais des signes du Zodiac, je suis con. Évidemment. Mais c'est bon, j'ai eu Pyromaniaque. Donc on a eu tout ce qu'on voulait. On est invincible. Allez, on va reroll encore. Qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai eu Polyphemus. J'ai eu Polyphemus et les Kane Other A. Donc là, ça va faire encore plus de damage. On va continuer de reroll, hein. Écoutez. On va se faire tout le chest. Voir si on peut se faire encore un petit reroll. Mais là en gros, Polyphemus, pas Polyphemus, Pyromaniaque pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je suis invulnérable aux bombes et ça me régène. Bon, j'ai pas de cœur rouge ici en l'occurrence, donc ça change rien, il n'y a pas de régène. Mais ça régène les cœurs rouges quand je me prends du dégât. Du dégât d'explosion. Mais what the fuck, la combo fumée! Tiens, les couteaux n'ont pas suffi.
Ah merde, j'ai mon dice. On l'utilise maintenant. Ah, il y a du nouveau, 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 il y a du nouveau. J'ai plus Polyphemus, Pyromaniac. À la place, j'ai eu un Breakfast et Tech.5. Donc là, je pense que je n'ai plus Pyromaniac. Je vais vérifier. Vérification. Si, si, j'ai encore Pyromaniac en fait. J'ai encore Pyromaniac, mais j'ai eu Tech.5 en plus. Donc, Tech.5, c'est un petit laser. C'est d'ailleurs c'est le seul bon laser. C'est le seul laser qui ne diminue pas vos dégâts ou vos cadences de tir. Donc c'est un bon laser. Ouais, ouais, le pognon, on s'en fout en fait. Je suis maxé. Allez, prends mes couteaux. Est-ce qu'on peut avoir des items s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des items s'il vous plaît? Dernière salle avant la reroll. Reroll. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Le Isaac's Heart. Ok, ça c'est un peu de la merde. Et le Purity. Votre aura change quand vous faites toucher. Quand l'aura elle est jaune, elle est à 7.5 de range. Quand elle est rouge, elle fait plus 4 damage. Et quand elle est bleue, elle fait moins 4% de dégâts. D'accord, c'est nouveau ça. C'est nouveau. Il est où le cœur? Ok, il me suit. Il me suit. Je pense pas qu'on va pouvoir faire. On va peut-être pouvoir se faire encore un reroll, mais c'est pas certain. Et ouais, là du coup, je me prends du dégât. Je me prends du dégât parce que Isaac Hart n'a pas l'effet de la Holy Mantle. Allez, on a le boss. On va quand même terminer. Est-ce que je vais pouvoir terminer? Recharger le dice. Oui, je vais pouvoir le recharger, mais. Ce sera pas le boss. Une dernière petite thème. Non, ce sera une clé. Bon allez, du coup le boss, très rapido. C'est juste dommage qu'on finisse pas avec Kane, hein. Qu'un. On finit avec Blue Baby. C'est pas grave. Allez, Blue Baby qui va se faire ouvrir. Il est mort. Et du coup, le dernier petit reroll, qu'est-ce qu'on a de plus en beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Là, on a la guillotine. Et bien voilà, je vais vous montrer un petit peu quand même l'aspect final de mon tracker. J'espère que cette run complètement fumée vous aura plu. Pouce vert, commentaire, et on se retrouve demain pour un autre épisode. C'était Azot, ciao ciao!